Salut, salut. Donc aujourd'hui, je vous reprends donc pour vite fait pour un petit Vous point, avez hein, tué bien du sûr. lourd récemment? Donc j'ai remarqué que si vous allez Allez lancer quelques chez gambits le sur votre Gambit, ami. ah, vu comme vous savez, je suis un très grand fan du Gambit. Donc machinalement, je suis allé sur le Gambit et du coup, bah, j'ai découvert des trucs. Donc là, par exemple, bon, ça c'est le nouveau. Comment je pourrais dire ça? La nouvelle bannière est une nouvelle couleur, donc vous verrez. Et donc, ça sera ma prochaine arme à faire. Donc, ça sera terminer des objectifs suivants lors des parties de l'orbite pour obtenir des pitons. Donc, du coup, on va faire des frags au firebomb à bout portant. Et il faut atteindre le rang d'infamie épique. Bon, le rang d'infamie épique n'est pas très difficile à atteindre. Ça, je le sais tout à fait. Donc du coup, on va aussi aller directement chez Zavala et chez Saladin, je crois. Non, c'est pas Saladin. Je sais plus son nom là. Shats, voilà. On va aller voir Shats si lui aussi propose une nouvelle arme débloquable. Mais je pense que c'est forcé qu'il en propose une. Mais là, du coup, je vais déjà terminer déjà tout le DLC. Donc les choses qui sont à faire directement là-haut. Et donc après, bah, je ferai Allons-y. les autres. Ah bah. Nouvelle amélioration. Sur le terrain. Donc qu'est-ce que tu sais ça? Alors, quête. Progresser en terminant des sessions de cadenceurs dans des parties de Gambit et de l'épreuve. Des assauts et des nids noirs. Donc il en faut 400. Bah du coup... Mon stock Ça va change le sans faire. arrêt, alors ne m'attendez pas trop. Bah, j'en ai eu un autre. Bah, moi j'ai eu un autre truc, mais ça s'est peut-être pas affiché. Enfin bref, on va déjà faire ça. Je vais aller voir directement sur mon personnage. Non, non. Y a rien. Oh. Bon. Du coup, on va aller voir Chats. Bon, s'il Pourquoi propose est-ce que des les nouvelles petits armes. nouveaux de l'épreuve ne Lui peuvent pas tous propose être aussi d'un comme contrat. vous? Le Kobodo 4FR. Alors, le Kobodo. Alors, ça, je sais pas du tout ce que c'est comme arme. C'est J'espère peut-être que un c'est fusil aussi d'éclaireur, à robuste. mon Votre avis. avis compte pour moi, Arcaniste. La tour ne Ça peut m'épouse être pas mal, mais pas les un éclaireur. Je pense, je suis pas sûr. gardien. Donc, lui aussi, forcément. Le Buzzard. Donc il faut faire des frags au pistolet. Frags aériens, les points. Donc c'est à terminer les objectifs suivants dans le programme d'assaut pour savoir le pistolet. Bon, du coup on va le prendre aussi. Réquisition acceptée. N'oubliez jamais pourquoi nous combattons. Donc après qu'est-ce que tu Si nous vous... demandes? Oui. Ah bah j'ai un anagramme parfait. Celui-là, hop, on le vire. Hop, j'ai même pas vu que j'avais eu un Transférer. anagramme parfait. Le vieux jeu. Ça, c'est le pistolet que j'ai débloqué hier. Donc, du coup, ça, je vais le garder. On va ouvrir deux personnages. Du coup, sur, je vais le virer. Celui-là, ça aussi. Compris. Le brèche-lumière. Tant mieux pour elle. Ouais, c'est un petit pistolet, quoi. Du coup, on va aller voir encore le cryptarque. Votre retour m'honore, gardien. Le morsure d'arsenic, non, ça c'est une arme énergétique. Je sais pas Certains de si je ces peux. fichiers sont plus anciens que la Ah, si, j'ai cité pas. elle-même. Mais c'est Donc, du coup, impossible. programme de ces prochains jours. Je vais déjà terminer déjà tout le truc là, de Osiris, déjà en priorité. Je vais continuer à monter donc le personnage.
Et du coup, donc je pense vers la fin des semaines, début du week-end, donc je ferai une vidéo sur le Gambit. Mais il faut déjà que je trouve une arme, un fusil à pompe. Il faut déjà que je trouve un fusil à pompe au niveau du Gambit. Enfin, que je trouve ça parce que pour l'instant, bah, je n'en connais pas. Et j'ai pas envie de prendre un pompe pompé de zone, donc je sais pas du tout. On verra ça. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Ah, donc, comme vous pouvez voir, j'ai un engramme exotique. L'éperon prométhéen. Qu'est-ce que c'est l'éperon prométhéen? Donc, c'est tout nouveau. Alors, je vais dire. D'ailleurs, j'ai plusieurs trucs déjà à mettre. La tisson de lumière. Quand point du jour est actif, battre les combattants ou gardiens crée une fin curative renforçant cet emplacement. Point du jour. Oh, point du jour. Je suis en train de chercher ce que c'est. Pitié du phénix, non. Source de radiance, protection. Voilà, franchement. Je sais pas du tout ce que ça peut être. Ce Les fameux truc là. flagellateurs psions ne perçoivent pas le temps Ouais. comme vous et moi, gardien. Pour eux, il n'est pas linéaire. Cela Bah, fait c'est leur déjà du jeu force déjà. et nous On va désavantage. y équiper. Ne l'oubliez pas. Un mode. Pour les munitions principales aussi. Voilà. Point du jour, je vois pas du tout. Bon, enfin, bref. Du coup, on va faire. Donc, l'objectif, c'est bah, de toujours tuer le boss du milieu. Mais si vous voulez augmenter votre cadran, il faudra absolument terminer donc, les fameuses missions que tu vous demandes. Donc, faut tuer le flagellateur et bah, faire le cadran, tout simplement. Donc il faudra faire le cadran. Alors ça c'est pas un boss hyper dur, le boss du cadran. Juste le plus chiant bah, c'est de faire ça. C'est de détruire les boucliers. Tout simplement. Mais si vous êtes une bonne équipe, ça va tout seul. L'autre. Voilà, l'équipe, c'est pas une équipe de rêve. Mais... Je suis en sueur. J'ai déjà la tête chapeau. Moi je suis mort. T'es mort.
tomber là-dessus. Vous avez accompli un grand exploit ici, gardien. Ce pion aurait pu faire bien pire que de changer l'issue de la guerre rouge. Donc à chaque coup, vous avez une récompense, mais c'est toujours la même. Ça, tu es un petit peu nul. Après, je sais pas si ça va être des perks fit. Je saurais pas dire. Donc 926, 922, non. Par contre, le truc là que vous avez vu, la pyramide, je sais pas à quoi ça sert. Non, pas du tout. Ah, donc du coup, c'est pas les mêmes trucs en fait. C'est pas du tout les mêmes perks. Les perks, elles changent, d'accord. Bon, on se dit à tout de suite. Hello, hello. Donc, du coup, on se retrouve sur Destiny 2. Donc, là, vous avez modifié quelque chose. Tout. Je parcourrai ces nouvelles possibilités à la recherche des menaces naissantes. Ah, la fausse sang. Bon, ben. On va se mettre au fusil à pompe. Je sais que vous y arrivez. Puis on va farmer ici. On va pas s'embêter. On va pas s'embêter. Ah, du coup, je vais juste regarder quelque chose. À tête de mêlée. Bon bah du coup on se retrouve après. J'ai arrivé au bout du truc là. Par contre si vous voulez faire des preuves de fusil à pompe, très honnêtement le Icelos je vous conseille pas parce que bah, du coup bah, peu de munitions, hein, c'est assez chiant à faire. Il faut vraiment à chaque coup utiliser une balle par une parce que vous y arrivez pas. Sinon c'est beaucoup trop long. Il faut avoir la bonne technique. Mais bon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise technique. Il faut juste savoir bien placer les balles et tout. Au moment où il faut. Mais bon, sinon après c'est rien de compliqué. Donc là du coup on est à peut-être à 14. Ah, je vous dis pas que j'ai fait le tour, retour, j'ai fait au moins 6 ou 7 fois, même plus que 7 fois. Oh, trop tard. Je suis allé trop vite. Ah, des fois, il y a aussi des ratés. Bon, après, je sais pas du tout c'est quoi. Les étapes de quête, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que là, attends. 99, ah bah oui, je doutais. J'ai mis douté. Je sais pas si l'autre il va réapparaître en haut là. Ah si c'est bon. Ah oui. Voilà. Donc, étape de quête, finition. Donc après, c'est quoi? Alors après, c'est l'anomalie temporelle. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est? Obélisque harmonisé. J'ai cru que vous aviez brisé la légende. Ces obélisques m'ont permis d'apprêter le couloir du temps. Je crois que la foi m'a à nouveau abusé. C'est pas comme, je sais pas comment on fait.
Terminer l'assaut de pyramidion pour récupérer des améliorations d'armes en terminant la partie de l'épreuve du Lobbit ainsi que des assauts. Des améliorations d'armes. Ah, franchement, je sais pas du tout ce que ça peut être. L'obélisque, bah je vais aller voir. Et pourtant, vous voilà. Sur la côte enchevêtrée. C'est celle que j'ai en obélisque. Je te retrouverai. Et je vais aller voir ça. Si j'ai plus de nouvelles pour l'autre, je mettrai suivant dans celle-là. Pour charger l'obélisque, il faudra faire des kills au super ou faire directement des orbes de lumière. Alors, les orbes de lumière, je ne sais plus c'est combien de pourcents. Il me semble que c'est 1% à jour. Il faut que je fasse des kills avec, avec mon super, parce que sinon ça va pas. Déjà, kilo super, c'est... Oula, ça monte déjà assez vite. Ça monte déjà très très vite. Pareil pour les trucs de braille tête. Donc moi je vous conseille aussi de récupérer tout ce qui est des coffres. Les coffres vous donnent 3 composants. Ce qui va très vite si vous prenez déjà tout ça avec. Alors, si vous déjà prenez déjà ces composants, ça va très vite. Là, ouais, ça augmente de presque 4% en fait. Donc récupérez bien les armes quand vous en avez. Moi je fais au shit parce que je dis pas qu'il en donne tout le temps, mais il devrait en donner assez souvent normalement. Après, pas obligé de viser la tête, bien sûr, quand vous faites. Viser la tête ne vous servira strictement à rien en fait. C'est juste pour vous faire un coup de grâce, comme ça moi, vous êtes tranquille. Donc, première étape, c'est déjà de tuer 50 ennemis. Deuxième étape, c'est de faire des pourcentages. Donc je pourrais pas vous dire c'est équivalent à combien de kills. Donc normalement pour un tué c'est 4%. Alors, en prenant avec l'herbe de lumière donc c'est 4%. Je pense même que c'est un petit peu plus quand on fait des kills au super. Donc là je suis à 52, 56 donc c'est 4%. Ça va très vite. Ça va extrêmement vite, donc il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Une fois que vous aurez fait des obélisques, moi je vous conseille tout de suite de faire l'étape suivante, c'est-à-dire de trouver les technologies VETS, tu vous demandes. Donc il y a une quête, tu vous demandes des technologies VETS, faites-la tout de suite. Parce que celle-ci, alors elle n'est pas très longue, je pense, la quête, là, mais elle va être bien chiante à mon avis. Donc moi c'est comme ça que je vais procéder. Donc après vous pouvez procéder totalement autrement. Mais si vous voulez débloquer l'obélisque, il vous faudra directement aller chez... j'allais dire chez Saltator, chez Osiris. Bon, bah du coup, on va se retrouver tout de suite après qu'on aura fini le béliste. Ah, donc là, le béliste il est chargé, normalement, c'est même sûr. Donc là, on a déverrouillé le béliste. Du coup, on va récupérer. Voilà. Et normalement, on devrait avoir après des nouvelles armes qui vont peut-être s'ajouter. Alors. Récupérer des matériaux sur Mars ou laser des bon, les matériaux, ça on va pouvoir le faire. Donc là, c'est le représailles du martyr, c'est un lance-grenade. Et après, ils disent de t'amener des patrouilles. Voilà, ça va aller vite. Donc après, c'est ce qu'ils demandent aussi. Donc ça, c'est les traits de réinitialisation.
Donc on peut avoir, je pense que c'est un fusil à fusion, le ligne dans le sable, et le fameux lance-grenade, comme je vous ai dit. Voilà, je suis en saison 17. Donc du coup, on va continuer donc ces quêtes, et on se retrouve donc plus tard. Allez, à plus!